I like that little flamenco thing that we got at the end. Hélas, parce que c'était très amusant en Maroc, à cette époque. Mais c'était une expérience un peu drôle, parce que nous avons un contrat avec Scalera, qui était un très grand producteur dans cette époque en Italie. Nous avons arrivé une équipe de 30 personnages, tout le cast, en Mogador. Et dans cette époque, Mogador était Mogador, pas du tout un ville touristique. Ouais, non, Mogador, ou pas le club, Mogador. Le deuxième jour, en Mogador, nous avons reçu un télégramme qui dit que Scalera est bankrupt, comment on dit? Ben, il a fait faillite. C'est ça. Bon, il y a tous les artistes, toute l'équipe, et pas d'argent, et surtout, pas de costume. Nous avons le son, la caméra, la pellicule, le décor, mais pas de costume. Et c'est pour ça qu'il y a deux bobines dans mon film d'Othello qui se passent dans un bain turc. Parce que tu attendais l'argent. Non, pas l'argent. Il y a tout le petit tailleur qui fait le costume dans la... En Mogador. Et bien, pour l'instant, ils étaient tout nus dans le bain. C'est une histoire fantastique. Mais moi, je trouve ça formidable, toujours, comme les incidents de la vie quotidienne ont une influence directe sur le cinéma, sur les films. Mais le cinéma, les incidents et surtout les accidents. Oui, les accidents. C'est sublime pour le cinéma.